Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver un designer qui va vous créer des designs de t-shirts pour votre business de t-shirt marketing. Si créer des designs vous intéresse pas, que vous n'êtes pas très doué avec Photoshop ou Illustrator, ou que vous voulez simplement sous-traiter ça, on va voir trois sites où vous pouvez en trouver et à quel prix. Donc le premier c'est un site francophone, donc 5euros.com, que vous connaissez peut-être déjà. Vous mettez t-shirt dans la barre de recherche et là vous aurez une vingtaine de résultats. Donc on peut aller voir par exemple, là on voit leurs avis, combien ils en ont reçu, si c'est 5 étoiles ou pas. Donc il y a quelques exemples de créations qu'il a déjà fait. Donc déjà toujours voir si ça nous correspond. Si on trouve ça moche, bah, faut pas y aller. Donc là, pour 5€, il propose de faire un design avec, en gros, seulement du texte. Et pour 10€, du texte plus illustration. Mais faut faire gaffe, par exemple, lui, droit de commercialisation, faut le payer 5€. Donc sur les autres sites, souvent c'est toujours compris, le droit de commercialisation. Donc faut faire attention à ça. Aussi si vous voulez le fichier source, donc PSD ou Illustrator, il faudra payer. Donc là, bon, ça c'est simple hein, du coup. Hein. Si vous avez une idée de t-shirt, vous pouvez lui décrire l'idée. Ou alors, si vous avez le t-shirt d'un concurrent, que vous voulez refaire à votre façon, vous lui envoyez une photo et lui va reprendre le texte et changer un peu les dispositions, enfin les polices, un peu tout quoi. Donc ensuite, deuxième site, Fiverr. Donc là, c'est en anglais, vous mettez t-shirt dans la barre de recherche, donc comme pour 5€. Donc là, on voit les personnes, le nombre d'avis qu'ils ont reçus. Donc sur ce site-là, on peut trouver des dizaines à partir de 3 dollars. Donc ce qui est pas cher du tout. Donc 3 dollars sera surtout du texte. Donc par exemple, 3 dollars, j'avais vu ça quelque part. Ah, là, 2 dollars même. Donc on va aller voir ce qu'il propose pour 2 dollars. Donc pareil, là on voit les exemples de ce qu'il a déjà créé. Ça a l'air d'aller pour le prix en tout cas. Donc ouais. Ils peuvent pas mettre moins de 5€ sur le site, à chaque fois quand vous aurez 2 ou 3 dollars, c'est qu'il y en aura plusieurs d'un seul coup. Donc là, pour en gros 10€, vous en avez 5. Bon, quel descriptif. Souvent, ils ont un portfolio, donc un lien avec tous les designs qu'ils ont créés. Donc comme ça, vous pouvez aller voir. Là, celui-là, on n'a pas. Il y a déjà pas mal d'exemples dans ces photos. Donc lui, on voit, il propose bien la licence commerciale et même le fichier source. Donc je pense que ça doit être le PSD ou le fichier Illustrator, sûrement. Donc par exemple, si vous voulez vraiment un dessin vraiment recherché, là, il faudra payer quand même plus, souvent autour de 10€ minimum. Donc voilà. Donc pareil, là vous lui envoyez la photo d'un t-shirt que vous voulez, ou alors un descriptif. Même si vous parlez pas anglais, un coup de Google Traduction, ça suffira. Donc ensuite, le troisième site, c'est Upwork. Donc c'est un site pour trouver des freelances. Donc pareil, vous mettez t-shirt dans la barre, vous mettez quelques filtres, parce que là vous avez vraiment tous les prix, vous avez des designers qui vont vous faire payer voilà, 2-3 dollars contre des designers qui vont vous faire payer 100 dollars le design.
Donc vous mettez votre grille tarifaire un peu, le nombre d'heures que la personne a déjà faites, le montant qu'elle a déjà gagné sur la plateforme. Là, vous avez déjà quelques exemples. Donc si vous mettez pas cher, vous aurez des personnes de Philippines, Bangladesh, enfin des pays pauvres. Donc vous pourrez directement les contacter, leur proposer un job, enfin du coup un design à créer ou quelque chose. Ou alors vous pouvez faire job et post job. Donc là vous allez mettre une annonce sur le site avec un descriptif de ce que vous voulez et à quel prix. Et les gens vont venir vous contacter directement pour postuler au job en gros. Donc moi par exemple ça c'est une annonce que j'avais faite. Donc je cherchais un designer pour créer quelques t-shirts à 5 dollars. Donc en 2-3 jours j'ai reçu une vingtaine ou une trentaine de personnes qui étaient prêtes à le faire pour 5 dollars. Alors on voit que j'ai 5 pages, donc ouais peut-être une cinquantaine même. Donc après c'est à vous d'aller voir vraiment les profils. Donc là, il y a le portfolio qui va s'afficher en dessous normalement. Donc là, on voit les jobs qu'il a déjà fait. Par exemple, là, il a déjà fait 10 t-shirts pour 30 dollars. Enfin, ce qui est écrit, mais il a été payé 85. Donc il a dû avoir un truc en plus. Donc là, on voit ce qu'il a fait. Bon, il fait pas que des t-shirts, lui. Ouais, pas beaucoup. Moi, par exemple, celui que j'ai choisi, c'est celui-là. Donc, un du Bangladesh. Donc, lui, ouais, il fait quasiment que du t-shirt. Donc là, on voit des exemples de ce qu'il a déjà créé. Et là, une fois que vous avez choisi la personne, vous la sélectionnez et elle va faire le job. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc ça peut être intéressant si vous voulez sous-traiter la création de design ou alors pour vraiment en créer beaucoup sans passer ses journées dessus et plus se concentrer sur le marketing. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.